Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part ça va nickel comme d'habitude. Nouvel épisode de notre aventure sur Far Cry 3. Nous partons à la rencontre de Citra. Oh, j'espère que l'aventure vous plaît toujours autant. Si c'est le cas n'oubliez pas le petit pouce bleu. Citra. Oula. Ah bah ça va si on est amis. Amis. Let's go. Denis, t'as fait rentrer un étranger ici? J'ai trouvé celui qui n'échouera pas. Partez! Berhunty! Montre-moi ton bras. Voilà Jason. C'est le garçon dont je t'ai parlé. Salut. On vous apprend à parler sans permission en Amérique? Non, j'ai appris ça en France. Ce n'est pas un kabawa. C'est téméraire de plaisanter face à ta mort. Beau travail. Je te les rendrai après les avoir arrachés. Tiens, tu as arrêté de rire. Rares sont les étrangers qui ont vu ce temple. Et encore moins les cours intérieures. Pourquoi es-tu ici? Il me faut de l'aide pour vaincre Vas et sauver mes amis. Ah, rien que ça. Je devrais peut-être mettre mon armée à ton service? Non, tu es un faible. Tu n'es pas des nôtres. Je veux devenir un guerrier. Tu plaisantes encore. Allez, va-t'en. Il a pris mon frère. Qui, Vas? Je ferai n'importe quoi pour le sauver. Berikan Saerba. Ramène-moi ce qui a été perdu. Je verrai ensuite. Waouh. A vu le feu en toi. Ça veut dire quoi, ramener ce qui a été perdu? Avale ça. Une réponse te sera révélée. C'est dangereux ce truc. C'est la peur qui guide tes paroles. Est-ce que tu veux vraiment sauver tes amis? Oui. Alors bois. Nous passons la vie entière à nous dominer. Imagine à quel point tout nous réussit dès qu'on ose faire ce qu'on souhaite. Et c'est reparti pour un very bad trip, les amis. Ouais, mais on est sur GTA ou quoi? Oh, Los Santos. Le parachute! Oliver? Keith? Riley? Ok. Bonjour, monsieur. Ah oui, on est sous l'eau là. Hein. Attendez. Oh, c'est quoi ce bordel? J'adore ce genre de moment, les gars. Jamais pris de substance illicite, mais alors qui est-ce qu'on s'y croirait? En fait c'est ça, pour ceux qui ont vu Green Hell, c'est comme si on avait bu l'ayahuasca. Pour ceux qui ont la ref, on se sait. Mais ça c'est la magie de Far Cry. Hein. Ils sont très bons pour faire ce genre de choses. Chez Ubisoft, ça consomme. Hein. Je balance.
Assez débile hein, comme préliminaire. Allez, t'es plus très loin de la fin. Allez, terminez. Si tu travailles pour moi, fiston, il va falloir suivre les règles. C'est très psychologique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et l'objet convoité. Je me suis fait bouffer par un poisson là, je reconnais. Voici l'objet convoité. Waouh. Je suis l'élu. Ah, on a connu sensation plus agréable. J'ai vu mon copain et mon petit frère Riley. Ensuite, j'ai suivi un type en costume blanc. J'ai vu un bidonville. Un bar. Il était tout sombre et crasseux. Et le couteau antique. Oui, un couteau antique avec une lame ciselée. Comment vous savez ça? Du palandrement. Il y a un bidonville à l'est, là-bas, en plein territoire pirate. Ok, alors j'ai plus qu'à m'y rendre. Oui, mais cette ville n'est pas petite. Comment tu vas le trouver, ce couteau? Facile. Je vais commencer par l'homme en blanc. L'homme en blanc. Ah, l'homme que j'ai suivi durant mon bad trip. L'homme en costard, là. C'était un costard, non? L'homme en blanc, comment ça, l'homme en blanc? Bon, quitter le temple de Citra. Ah, mon pote. Je croyais qu'on était pas potes. D'abord, ils me disent de dégager, et puis là, ils m'appellent mon pote. Non, mais alors, attendez. Je sais bien que Citra est votre supérieur, mais tout de même. Hop là, ça s'est fait, c'est fermé. Très intéressant, en tout cas, hein. Enquête à Bad Town. On va y mener l'enquête. Ça se passe à l'autre bout de la planète, j'imagine. Ça se passe pas du tout, ça se passe ici. Et on peut d'ailleurs... Attends, on peut se TP? Ah oui? On peut se TP? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ok, on peut se téléporter. Je vais être très honnête avec vous, j'ai pas envie de me TP alors qu'on n'y est pas encore allé. Moi, ce qui va m'intéresser, ça va être de faire ce pylône radio et celui-ci. Vous allez me détester. Mais là on va croiser plein de méchants, c'est sympa. Non, vous allez peut-être me détester, je m'en excuse. Mais en vrai le jeu, si on rush comme ça, ben en vrai le jeu on va le finir en... Enfin voilà, déjà en vrai je pense qu'on va finir le jeu relativement vite hein, vu comment on avance. Mais c'est pour ça il faut... Venez, on prend un petit peu notre temps quoi. Quoi, 26 nouvelles compétences ont été débloquées? Oh putain, hé, compétences. Ah oui, j'ai 4 points de compétences, les gars. Attendez, profitons-en. La précision du tir de la hanche est accrue par les pistolets. Je sais pas ce que ça veut dire. Exécution par le bas. Pour tuer un ennemi au-dessus de vous. Bien sûr. Bien sûr que je veux apprendre ça. Oh là là, ça va être une dinguerie. Visée précise. Pour stabiliser le réticule 2 fois plus longtemps. Attendez. Peut-être d'autres priorités plus sympas. Élimination enchaînée. Oh, enchaîner plusieurs éliminations l'un après l'autre. C'est exactement ce dont je rêvais. Oh. Let's go! Blindage, non. Gagner une barre de santé en plus. Voilà. Les seringues médicales restaurent 4 barres. Allez, on prend. Même si j'ai plus de seringues, on aura l'occasion de retrouver des plantes. C'est vrai qu'il faut qu'on trouve des plantes vertes. Sans déconner. Hein. Je répète ça depuis la nuit des temps, mais il nous faut des plantes vertes hein, pour faire les médicaments. Parce que là, j'ai 0 seringue. C'est ultra terrible. Bref, donc ouais. Prenons notre temps, on a 4 barres de santé, on est méga bien. Regardez là, on peut un petit peu se promener, voir les temples par ici. Oh, plante verte. Et je pense que depuis tout à l'heure...
Alors là, j'ai eu chaud au kiki. Je pense que depuis toujours, je passe à côté des plantes. Mais il faut que je jette encore des trucs. Alors, je vais jeter ces trucs-là à 10$. Mais c'est vrai qu'en vrai, ça sert juste, les gars, à vendre. Et l'argent, on en a déjà pas mal. Soyons très honnêtes. Et quand on aura besoin d'argent, on aura de quoi vendre à chaque fois, vous inquiétez pas. Donc voilà, on va se permettre de jeter un petit peu. La priorité aux plantations. Voilà. Et là, confection médicale. Hop et hop. Voilà. Et là, j'ai deux soins. Et ça, c'est cool. Attendez, on va se promener par ici. Mais ça, c'est cool parce que y a rien à récupérer ici. Y'a rien à récupérer, mais c'est sympa. C'est cool parce que... attendez, je sais qu'il y a une mission qui se déroule ici, je crois, non? Oh merde. Oula, alors là, on s'est perdu. On s'est perdu, moi j'aime bien. Oh. Oh, j'ai bien fait de venir par ici. Ok. Oh là, le labyrinthe. La relique. Magnifique. Eh... Un peu d'XP par-ci par-là, ça fait pas de mal. Bon, je sais plus ce que je disais. Bah oui, qu'on avait des petits points de compétences sympas. Niveau soins, on est très très bien. Attendez, on peut aller sous l'eau. Ok, vas-y. Non, ça c'est un coup à crever. Ah, il y a une relique là. Voilà. C'était juste pour ça. Et en plus, un point de compétence gagné. C'est juste magnifique. Bon. On va pas passer tout l'épisode à être dans les menus. On va sortir de là. On est vraiment pas mal. Bien fait d'être venu par ici. Et on va continuer notre... Alors attendez parce que ça... Oh! Ça va être l'occasion de tester l'enchaînement d'élimination. On est là pour ça, messieurs dames. On va essayer d'enchaîner les éliminations. Voilà. Oh là là, c'est incroyable. C'est incroyable. Je n'ai point les mots, messieurs, dames. Et en plus, ça donne de l'XP en faisant ça. Mais c'est incroyable. Mais ça, c'est des... Les gars, c'est des mouvements que tu peux pas faire sur Far Cry 6. Hein. Je maintiens. Hein. Je maintiens. Attendez, on va se calmer, là. Ça commence à faire beaucoup, là, quand même. Ça commence à faire beaucoup. Alors attendez, moi je suis pas là pour gâcher des munitions. Donc bon là j'ai pas trop de quoi faire. Si je peux, on peut s'attarder là-dessus, mais en vrai on va s'y attarder trop longtemps. Ouais, voilà. Hein, il faut arrêter d'exagérer. Moi j'ai des munitions à préserver quand même. Hein. À un moment donné, je veux bien qu'on rigole. Voilà, ça tire à balles réelles. Moi, je suis un militant de la paix. À peu près. D'accord. Alors, on va continuer par ici, toujours aussi joli. Ça, ces dindons là, ils me font peur. Hein. Ça, j'ai l'impression qu'à tout moment, ça t'attaque. Mais en vrai, je sais pas si je dois récupérer leur peau ou pas. Voilà. Sac à butin plein. Oh, vache! Vache! Bon, bah, on dépose, hein. C'est pas grave. Terrible. Je suis sûr qu'avec ça on peut faire des choses. C'est quoi comme animal? Putain. Ah bah du casoir. Il me semble que il faut faire quelque chose avec eux. Oh, dégueu. Ah, portefeuille robuste. Et bien voilà, pour faire plus d'argent. Magnifique. Magnifique. Je savais que j'avais bien fait de commettre ces crimes. Et là je vois encore des plantes vertes. Ça, je vais pas vous mentir, ça m'intéresse. Ah, un avant-poste. Oui, il y a plein de feuilles vertes en fait. Ouais, c'est un avant-poste. Oula, il y a des snipers en plus. Oh, est-ce qu'on se le fait ou pas? Non, il y a rien à faire ici. Il y a rien à faire ici. Attendez. Ah si, c'est vraiment un avant-poste, ok. Bon, en vrai, on peut se le faire. Hein. On peut se le faire comme ça, c'est fait et on a un petit TP rapide ici. Autant être stratégique. On va se le faire, messieurs, dames.
Est-ce que là j'ai localisé tout le monde? On dirait bien que oui, hein. Ah voilà. Bon, il y a qu'une seule alarme. Ce qui est relativement bonne nouvelle. Hop, on va juste s'occuper de l'alarme. Et après on va s'occuper d'eux. Je hais ce trou. Voilà. Et là messieurs dames, il est l'heure de s'amuser. Putain de rebelle, laissons-les dans ce trou. Voilà. On va le mettre ici. Ni vu ni connu. Je vous ai dit, on va pas gâcher de munitions. On va pas gâcher de munitions. J'y tiens moi mes balles, hein. Je les ai payées, hein. Là ça va être un petit peu chiant. Attendez, par ici. Yes. On peut pas passer par les fenêtres. Comment je peux monter là? Ok. Ah merde. Ah. Ça va être un petit peu chiant. Oh putain. Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Hop. Ça dégage. Magnifique. Là regardez bien ce qui va se passer. Pas mal. Hop. Hop. Oh là 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 là. Non mais là ça rigole pas messieurs dames, hein. Là moi je vous propose du beau jeu là, hein. Là messieurs dames, c'est plus que c'était la chaîne Mkolo, hein. Allez plus que deux. Bon hé. On va pas y aller par 32 chemins. Heureusement j'ai des cailloux à l'infini. Hop. Hey, qui est là? C'est moi. Yalla! Et voilà! Magnifico! Incroyable! Incredible! Incredible! Avant-poste libéré, non repéré, bien évidemment. C'est un plaisir, on va récupérer, je ne peux pas. Il y a des petits trésors par-ci par-là. Je sais pas où. J'ai pas compris où c'est qu'il y avait un trésor, mais c'est pas bien grave. Ah là, à l'intérieur tout simplement. Ok, j'avais pas vu qu'on pouvait rentrer. J'ai gâché aucune munition, enfin c'est juste du génie quoi. C'est juste du génie. Allez, on continue, on est là pour l'avant-poste. On va se faire plaisir. Ah mais attendez. Est-ce que... Attendez. Puisque mon sac est plein, si déjà on est là. Bah oui, je vais pouvoir tout vendre. Voilà. Et en fait... Enfin, ça me saoule parce que... Est-ce que je peux... Voilà, je peux vendre. Attendez. Je vends toutes mes feuilles, les gars. Ça va prendre le temps qu'il faudra. Je vais vendre un maximum de feuilles, ça commence à me saouler. Et moi, je me fais de la thune. Parce que là, franchement, on n'a pas de place, quoi. Voilà, c'est déjà pas mal. En vrai, c'est déjà pas mal. Allez, hop. On va pas passer tout l'épisode à faire ça. Comme ça, on aura de quoi récupérer. Allez, on est bientôt arrivé. On est bientôt arrivé. Ça va les copains? Vous avez l'air con, hein. Et ouais. Ah bah vous pouvez rien faire face à moi, hein. Ici le roi de la jungle, c'est Bibi. Alors, j'ai l'impression que c'est de plus en plus loin, alors qu'on est vraiment à côté, hein. Je vous rassure. Quel est ce bruit? Très peu rassurant ce bruit. Ça y est, on est en zone en terre inconnue. C'est pas le nom d'une émission ça, Terre Inconnue? Si bien sûr. Sur France de même.
Alors. Ah. C'est embêtant. Il a l'air d'être tout seul. Pas du tout. C'est pas un problème. Oh là là, ils ont tué des civils. Ils sont chiants à faire des trucs comme ça. C'est vraiment pas nice. C'est vraiment pas nice. Allez, allez. On fait speed. C'est trop chaud pour travailler. Achevez-moi. Achevez-moi. Tu veux que je t'achève? Ok. Suffisait de demander. Ah bah il l'a demandé hein. Y'a une voiture qui arrive. Allez, salut. C'était pas moi hein. Je suis occupé. Ok, on voit le pylône. On voit le pylône. Il est vachement loin. Attendez, il est vachement loin le pylône ou... Ah non, c'est bon. En fait, il a l'air loin, mais c'est... ce n'est qu'une impression, messieurs, dames. Ah bah après, en vrai, la map se joue beaucoup sur les hauteurs. La map, elle fait grande parce que... il faut monter, monter, monter. Et parfois contourner... parce que ben tu peux pas faire autrement. Frère, les rhinocéros. Bon bah je vais devoir utiliser mes munitions pour eux hein. Non mais sinon ils m'auraient attaqué hein les gars. C'est pas des blagues hein. Sinon ils m'auraient attaqué. Donc autant en profiter, avoir leur peau. Comme ça je suis tranquille. Voilà, cartouchière simple. Attendez. Contient des munitions supplémentaires pour les pistolets. Ouais. Ah bah si, les gars. Bien sûr, comme ça on aura encore plus de mun. Formidable. Oh, il y a encore des jaguars, c'est terrible. Voilà, le pylône est juste là. Après, jaguar, ça m'intéresse, mais on aura déjà l'occasion d'en rechasser. Je vais me faire charger. Au secours. T'as vu ça? Ils sont méchants. Ah! Vilain! Oh la vache! Ils font peur! Attends, il est où l'autre? Là. Putain, ils font peur! Attends, j'entends un truc là, relique. Bon allez. Putain, ils font trop peur. Non, j'ai vraiment eu peur pour le coup hein. Oh, bah c'est comme comme avec le Walligator là dans un précédent épisode là. Enfin Walligator Bon, vous avez vu, je dis pas des bêtises, ils nous attaquent. C'était sûr. Donc c'était eux ou moi hein. Hop. Incroyable. Un peu de parcours. Oh. Là j'ai cru qu'on allait y passer hein. Là j'ai vraiment cru qu'on allait y passer. Mais attends, je suis en train de refaire 32 fois le même tour là, ou ça se passe comment? Ah non, c'est bon. J'ai cru qu'on me prenait pour un con. Ok. Là. Ok. Oh. Pas facile facile hein. C'est pas non plus très difficile. Parfait, on va avoir une belle vue d'ensemble. Voilà qui fait plaisir. Et puis surtout on est sur les hauteurs, donc on est proche de l'objectif. Et voilà. Merci à tous. Franchement les gars, j'espère que vous vous régalez. J'espère que dès le début de la série vous avez kiffé. Et qu'actuellement vous kiffez toujours. Vraiment. Ce serait un incroyable cadeau quoi. Ce serait juste du génie. Hop, ça c'est fait. Un petit peu le vertige. Regarde un petit peu. Ouf, oh là là, c'est vachement rouge hein, par ici. Bon, évidemment, nous on va là. Bah, si on va là, du coup, on va s'occuper de cette pylône quand même. En vrai, tu vois, ça paraît loin, mais c'est pas loin parce qu'on est déjà sur les hauteurs. Allez, c'est parti. Ah, c'est ça. Vu qu'on est déjà sur les hauteurs, ça va aller très très vite. Allez. Lance-fusée gratuit.
Stylé. Stylé, stylé. Alors, là ça devrait le faire. Allez, allez, allez. Oh yes, j'ai de la chance là. Là ça passera pas. Faut faire gaffe, hein, à tout moment tu redescends tout. Hein. Hop, hop, hop. Allez, ah dommage. Allez, allez. Oh, j'ai de la chance, j'ai de la chance, j'ai de la chance. Ouh, on est pas trop mal. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Regardez, on dirait une montagne Volvic. Je dois être chiant à tout comparer à ça. Oh là là, bon là on peut pas monter je pense. Oh mais qu'est-ce que c'est beau bordel. M'étonne que le pylône il soit pas là. Là je pense que je vais pouvoir monter. C'est pour ce genre de moment que j'adore ce genre de jeu. Et que j'adore y jouer. Et que j'adore partager aussi du contenu comme ça et j'espère que vous adorez voir ça. Parce que voilà. Voilà, c'est juste magnifique ce que je vous propose. Oh là là, regardez-moi ça. Enfin, ce que je vous propose. Oh ! Feuille verte. C'est le jeu qui nous propose cette beauté. Oh là là, il y en a un para... Oh, pff, c'est bon, c'est trop, voilà. Voilà, c'est bon. Là, on se régale. Là, par contre, on va avoir quelques petites difficultés. Bon, ça va, c'est que des... C'est que des petits chiens, des petits loups. Bon, ils vont quand même me causer du tort, à mon avis. Ouais. Je suis pas là. Ils m'ont vu. Ils m'ont vu. Au secours. Tu retournes pas. Allez, allez. Voilà. Je suis persuadé qu'ils m'ont coursé. Hein. Je suis persuadé qu'ils m'ont coursé. Allez, direction prochain pylône. Non, franchement. Franchement, quoi. Ça régale. Hein. Oh! Mais non! Mais c'est trop mimi. C'est trop mignon. Je vole avec un aigle. Il vient vraiment avec moi. Oh, c'est incroyable. Là aussi, il y a un para. Un parapente. Comment ça s'appelle? Un planeur? Un deltaplane? Alors là, le pylône, il a pas l'air d'être en hauteur, celui-là. Ah ouais, il est juste en bord de mer. Ah non, il est là. On va éviter de faire la même connerie que précédemment. Hein. Souvenez-vous. Donc on va atterrir en bas. On va pas faire les cons. Regardez bien, ça va aller très vite. Voilà. Oh. Hop. Alors là. Ça c'était la classe. Ça c'était la classe à Dallas. Bon. Franchement, deux tours radio d'activer en 3 minutes seulement. Ah. Peut-être un petit peu plus du coup. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Non, et puis ça fait du bien parce que les gars, ça y est, c'est le printemps. L'été arrive tranquillement. Les beaux jours arrivent. J'y avais pas pensé, hein, j'avais pas calculé, mais c'est la petite aventure pré-été quoi. L'aventure du printemps. Voilà, c'est ça. Je vous propose l'aventure du printemps. Hop. Et voici. Tac, tac. Je suis énervé. Ça, ça dégage. Et hop. Il y a des ennemis qui se font attaquer par un animal. Ouh, le petit campement. Ouh, le petit hangar. Oh, la petite grotte. Ouh, loulou, loulou. À la one again. Ah, est-ce que je peux récupérer la caisse? Merci. Qu'est-ce qui se passe en bas, là? Ah. Oh mince. Ah mais ils se sont fait ils se sont fait fumer. Ils se sont fait fumer complètement. Bien fait pour eux. Chez. C'est la loi du plus fort. Regardons la carte. Et bien voilà, on n'est pas trop mal. Beaucoup d'avant-postes à faire hein.
Mais regardez, en fait, c'est ça, comme dit, avec ce Far Cry, voilà. Une fois que t'as ton avant-poste, là, tout autour, c'est safe. Donc là, dites-vous, chaque avant-poste qu'on va faire, ce sera safe autour. Et ça, c'est du bonheur. Chose qu'on n'avait pas sur Far Cry 6. Et ça, c'est cool. Allez, on va aller voir Willis. Du coup, il s'appelle Willis, ok, ça nous a spoil. L'homme en blanc, j'imagine. On va y aller. On va y aller, de toute façon, là, on y est. On va pas se TP, parce que je trouve ça bizarre qu'on puisse se TP, pour être très honnête avec vous. On va descendre là. Et on y va de ce pas. Ouh ! Oh, attendez. Une grotte. Incroyable. Non mais toujours plus. Incroyable. Incroyable. Oh ! Non mais là, il y a trop à faire, frérot. Il y a trop à faire, mais là, c'est un coup à ne plus y revenir. Enfin, c'est un coup à ne pas revenir, quoi. Ah ouais. Non mais attends, je vais me faire éclater la figure là. Je vais peut-être prendre l'AK dans la main, voilà. Alors là, je sais pas ce qui nous attend. Ok, là on est en extérieur. Ok. Allez, allez. Ouh lolo 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 lolo. Ouh lolo lolo. Bon, à chaque fois, c'est pour récupérer des reliques, hein, c'est pas... Et quelques petits loots. Par contre, ça nous permet de nous rapprocher de notre mission. Ça, c'est marrant. Donc, on va y aller. Aïe! Oh, putain! Oh, la vache! Oh, la vache! Waouh! Bon, je lui ai fumé la gueule, c'est bon. Heureusement, En plus, il y a des ennemis juste ici. Il y a rien qui va. Ah tiens, je vais récupérer les feuilles bleues. Il y a rien qui va. La vache. Voilà, je me suis effrayé, mais comme Jaja. Allez, le dernier plongeon. Je vais me refaire bouffer la gueule, hein, vous inquiétez pas. On a l'habitude maintenant. C'est bon. C'est bon. Attends, parce que ça, ça va me charger la gueule. Non, c'est bon. On va pas faire de mal. Oh, punaise. Bon, ça par contre, ça va m'attaquer. Arrête. Il y a des serpents, il y a des... Ah, il y a des trucs, des calimans. J'aime pas ça. Je stresse. Bon, les amis. Attendez, parce qu'il y a plein de trésors, là. Non mais là c'est trop là. Là c'est trop là. Là c'est trop. Messieurs dames, va falloir m'aider. Ah du coup y a, les ennemis sont à mes trousses. Mais j'y peux rien moi. Mais arrête. Ah bah voilà, j'ai plus de munitions. J'ai tout perdu. Hop. T'arrêtes tes idiots aussi maintenant. On est tous dans le même bateau. Ah la vache. Bon les amis, on va s'en arrêter là pour cet épisode. Dans le prochain, on sera dans le village et on va continuer la quête. Quel enfer. Quel enfer. J'ai plus de mun. Bon, je pense qu'on aura l'occasion de se refaire des mun là-bas. Je pense, ça devrait pas poser trop de soucis. Voilà. Cette jungle est dangereuse. Ça va être une dinguerie. Allez, je vous embrasse. Oh la vache. Je vous fais plein de bisous. Ciao tout le monde. Ugh!